Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire du shopping en shilling et croyez bien que je vais me ruiner. Alors mon objectif c'est d'obtenir ce set complet en fait avec des motifs noirs et gris. Et parce que je l'adore, je le trouve magnifique. Et c'est vraiment celui que je veux, donc voilà. J'ai délibéré toute seule comme une grande pendant un petit moment. Et je suis certaine que c'est celui-ci que je veux. Donc voilà, donc je me dis que si je dépense pas mes shillings au festival équestre, je ne le ferai jamais. Donc voilà, donc vous allez voir quelque chose aujourd'hui qui ne se reproduira peut-être pas plus tard. Mais on va dévaliser ce stand. Parce que vraiment c'est magnifique quoi. Donc pour commencer on va déjà dépenser les 10 000 shillings qu'on a accumulés ici dans l'inventaire. Donc autant commencer par quoi? Par la selle, voilà. Ok, ensuite donc ce que j'ai fait c'est que j'ai accumulé énormément de récompenses. Bon ça c'est une médaille. De récompenses de championnat. Donc on va les récupérer. On atteint la limite, donc là on va acheter le tapis. Voilà, déjà ça y est, on a notre tapis et notre selle. Et donc on y va, on recommence. On recommence. Ok, donc du coup là on a assez pour acheter du coup le filet, donc c'est parti. Voilà. Ok, on est plutôt pas mal, il va falloir revendre pas mal de médailles d'ailleurs, on va les revendre tout de suite pour voir à combien on en est. On a pris, du coup on a acheté tout ce qu'il y avait dans le... On a récupéré toutes nos récompenses accumulées depuis des semaines en championnat, mais comme quoi ça donne vraiment... une petite avance financière, c'est plutôt cool. Voilà, donc il faut savoir que je revends jamais mes médailles, mais là c'est l'occasion parce que bah, c'est pas grave en fait. Quelqu'un m'a dit un jour il faut pas s'attacher à ce qui est matériel, et là on a besoin d'argent, donc allons-y, on va casser la cagnotte et puis... Bah, le but, ça sera de renflouer tout ça. Bah, plus tard. De recommencer, en fait. Pendant un moment, je faisais beaucoup le championnat de la baronne. Et du coup, j'avais eu beaucoup de médailles. Lequel, celui-là, c'est Orpinta. C'est pareil, on en a vraiment pas mal. Et puis bah, pour la collection, bah, c'est pas grave. Il n'y a que celle de Zombie Joker que je vais continuer à collectionner parce que c'est un peu particulier en fait, Zombie Joker. J'ai récupéré les médailles pour mon frère, donc voilà. Donc, déjà on va voir ce qu'on peut acheter avec tout ça. J'ai calculé, au total j'avais 62 550 shillings avec les médailles.
Attendez, on va être à combien là si on revend ça? Ça va, c'est bon. Là, il y a trop. Là, c'est ok. On n'en a qu'une. Ok. Hop. Alors, on va acheter quoi? On va commencer par la veste. Parce qu'elle me faisait très 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 envie. Donc voilà, c'est parti, nous avons la veste. Et déjà, on commence à ressembler à quelque chose d'élégant. Ensuite, eh ben c'est reparti, on va tout revendre. Ah! Attendez, je fais quoi? Non, j'ai pas gâché de l'argent quand même. C'est allé si vite que ça, j'ai pas fait gaffe. Bah dans ce cas, on va prendre... le pantalon. Ok, ensuite... Ah. Aussi, ça c'est un truc qui me hérisse le poil. C'est qu'en fait, on puisse pas annuler notre dernière... Voilà, là par exemple, il faut que j'en retire. Maintenant, je vais faire attention parce que je crois que j'ai gâché un peu d'argent. Là, c'est pile poil la somme qu'il nous faut pour atteindre les 10 000. Voilà. Donc là, vraiment, on a bien calculé. Ça va me servir de leçon, je vais pas recommencer deux fois. Donc les bottes ou la bombe, c'est pareil. Donc là, on est reparti. On va devoir revendre encore des médailles. Écoutez, c'est le travail accumulé de plusieurs de plusieurs mois, mais je pense qu'on peut le refaire facilement, donc on s'en fiche. Des poneys. On va déjà voir avec ça. Alors, on va encore calculer. Il a freeze, j'ai eu peur qu'il croit que je suis en train de tricher. Donc là, on est encore bon. Là, on est encore bon. Donc là, je pense qu'on a assez déjà pour acheter un accessoire de plus. À savoir les bottes. Donc, c'est parti, on va se remettre. Voilà. Et franchement, je trouve que ces gants-là, ils vont très bien avec. Donc, à la limite, je les achèterai plus tard. Je sais pas pourquoi je vais à côté pour revendre, c'est pareil. Et donc, il nous manque les protections et la petite sacoche. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Et donc, les gants. Ah, les gants sont quand même assez élégants. On va prendre les protections, sûr. Mais écoutez, c'est quand même magnifique ça. Trop contente. Je suis trop contente. La sacoche, elle coûte combien? 5000. Bon, pour l'instant, j'utilise pas de sacoche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des shillings au fur et à mesure, comme je fais d'habitude. Voilà. En faisant les tâches d'écurie, le Pharah, et puis on va faire d'autres championnats dans la journée, donc on va aussi récupérer pas mal de trucs. Donc voilà, la tenue que je voulais tant, et je l'ai enfin, et elle a pas la même saveur, puisque j'ai dû travailler dur pour l'avoir dans SSO. Voilà, je suis trop contente. Bien sûr, j'avais pris un cheval qui permet de voir en fait tout ça. Puis je trouve que lui, ça lui va super bien, mon petit H. Par rapport aux jetons, donc moi je suis à 200, sachant que j'ai déjà acheté pas mal de choses. Je pense qu'on peut quand même se faire cette tenue-là. Par quoi je vais commencer? En fait, ce qui m'énerve avec lui, Bartok,
C'est que... Enfin, ce qui est dommage, hein, ça m'énerve pas, mais c'est que du cosmétique, quoi. D'ailleurs, j'ai pas de bonnes bottes pour voir, parce que je crois que c'est un pantalon avec des chaussettes particulières, donc celui-là, j'aime bien l'acheter. En fait, j'aime bien les pantalons avec des chaussettes d'équitation, de toutes les couleurs, parce que je trouve ça super cool. Mais là, du coup, ce qu'on va faire... Lequel on va prendre? Du jaune, j'en ai déjà pas mal. Donc pour changer, je pense qu'on va prendre cet équipement-là. Allez, c'est parti. Ça va descendre vite, hein, par contre. Et ça se porte avec... Non, j'ai pas pris les rênes. Mais ça non plus, c'est important. Il va me manquer pour le petit pantalon, c'est dommage. Alors, je pense que ça peut très bien aller avec le noir. On va tester ça comme ça pour voir à quoi ça ressemble, hein. Et ma foi, c'est très très élégant, c'est très rose. Mais le rose, c'est quand même classe. Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir à peu près avec 200 shillings, sachant qu'il me manque le pantalon. Attendez, avec du rouge? Ça me paraît bizarre quand même. Non, ça va, ça va. Mais franchement, avec le noir, ça va aussi. Oh, il est trop gentil. C'est à moi qu'elle parlait? Amélie, c'est à moi que tu parlais, c'était trop gentil. Ah ouais, non, franchement, ça lui va trop, 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 trop bien. Et bah pour l'instant, on va mettre cette petite tenue qu'on vient d'acheter. Les yeux de la tête. Donc voilà, et bien voilà, cette petite vidéo shopping est terminée. Donc on va continuer d'aller amasser plein de jetons de printemps. Au moins tant que possible, parce que je vais pas pouvoir rester toute la journée sur SSO. Mais voilà, c'était un grand moment d'avoir cette tenue. Je l'adore, elle est très classe. Et j'avais envie de vous partager un petit peu cette séance shopping avec vous. Sachant qu'après, je pense que j'achèterai aussi la deuxième tenue rose mauve. Ouais, je prendrai celle-ci. Le pantalon est plutôt cool, en plus, il passe partout. Mais déjà, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Donc bah voilà, on est prêt pour aller au festival et avoir la classe. Je vais pas avoir le temps de faire plus que ça aujourd'hui parce que je vais sortir tout simplement. Donc je vais pas avoir le temps de faire plus que cette petite vidéo aujourd'hui, mais on va se retrouver demain pour la suite parce que ça va être la mise à jour du festival et ça va être super cool. Et donc bah on va voir un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Donc j'ai très hâte parce que je pense qu'on aura la suite des quêtes avec Sabine. En tout cas si c'est pas demain, c'est la semaine prochaine, mais j'espère franchement que c'est demain. On aura sûrement le dressage, j'imagine. Et voilà, donc ça peut être super cool. Et je leur fais confiance à ce niveau-là parce que pour l'instant le festival est plutôt réussi. En tout cas, moi je passe un très très bon moment, c'est toujours un plaisir de me connecter pour faire les courses en groupe ou les courses tout court d'ailleurs, parce que ça donne plein de jetons et voilà, on est bien récompensé, on a de superbes équipements. Sans compter tous les trucs qu'on peut acheter à côté, genre soigner son cheval pour 10 jetons, et c'est énormissime. Ça fait une économie de 100 Star Coins quoi. Et ça permet de pas avoir un cheval ultra lent lorsqu'on a oublié de s'en occuper. Donc voilà, et ben cette petite vidéo est terminée, donc je vais vous dire à demain pour la suite de nos aventures à Jorvik. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, bye bye!